idée, ça a été de cacher les capteurs dans les ampoules ou les enceintes ou des caméras. Et donc, on peut rendre la maison intelligente sans rajouter des boîtes partout. En 3 ans, on a su prendre 35% de parts de marché sur les ampoules connectées et on a amené une technologie acoustique qui a fait bouger l'île dans ce secteur où on est aujourd'hui dans le top 3. On met les technologies au service utilisateur pour créer non pas le produit le plus technologique, mais le bon compromis entre la technologie et le coût qu'est prêt à dépenser l'utilisateur pour rendre sa maison intelligente. Aujourd'hui, il y a un taux de pénétration produit intelligent pour la maison qui est autour de 2 à 3%. Notre objectif, c'est de le faire passer au-delà des 10% à court terme. Et ça, c'est une course de tous les jours.